Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur Gangan TV. Mille merci à vous et soyez les bienvenus dans votre émission de prédilection Musique Tempo qui sera toute entière consacrée aujourd'hui à cet artiste-là. Hey, Yete, Guy, est-ce que le son est pour toi? Merci pour votre inoxydable bienveillance à Gangan TV et bonne arrivée si c'est maintenant que vous tapez sur notre fréquence. De la bonne musique, il y en aura encore à gogo pour vous ce soir dans Musique Tempo. Faites-nous confiance puisque tout à l'heure, Malto Kamisoko viendra dans sa nouveauté musicale intitulée Kafama, un titre que vous allez sans doute apprécier. Et puis, l'un des plus grands comédiens de la Guinée qu'on a créé, Moussa Kofoué, sera aussi de la partie pour vous parler justement comment les dirigeants guinéens se comportent envers les populations. En tout cas, ceux qui pensent qu'à eux-mêmes, c'est dans un instant dans Musique Tempo. Mais avant, nous allons faire monter la pression avec les États-Unis d'Amérique. Keep ça! Hey yo, Jason. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Say something to her. Holler at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake, patty cake with no head. Écoute ça. Communauté, 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 communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend tout le moral. La communauté internationale, comment cette machine infernale fonctionne au détriment de l'Afrique? Les explications, c'est avec Pablo Yiloua. Tiken Diafakoli, l'une des têtes d'affiche de la musique reggae de notre continent, a sollicité, remercié sa maman dans notre émission. Et nous, on lui a donné que 58 secondes pour le faire. Yann Giraud, merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau de Musique Tempo. Alors, je suis très heureux d'être là. Okay. D'abord, pour vous présenter, ça sera une avant-première. C'est la première fois qu'en Guinée, nous faisons des cafés philosophiques. Okay. Je ne crois pas que ça soit la première fois en Afrique de l'Ouest, ni non plus en Afrique, parce qu'il en a existé notamment à Kigali. À Kigali, au, voilà, au Rwanda, dans mon ancien poste. C'était une idée de l'ambassadeur de mettre un petit peu d'oxygène dans la vie rwandaise et c'était l'occasion de donner à chacun une plus grande liberté d'expression
et surtout dans un espace public. C'est pourquoi il fallait que ça se passe dans un café. D'accord. Donc ici, nous sommes à Conakry et nous Alors, avons pourquoi trouvé... vouloir organiser ce café philosophique à la française ici en Guinée-Conakry? C'est la femme de l'avenir de demain. Je suis d'accord. C'est qui donne l'éducation. Voilà. Et c'est pourquoi il faut les sauvegarder. Il faut les sauvegarder. C'est pour le C, là. Les pour le C. Les pépinières. Les pépinières. Il ne faudrait pas que les patrons, qui, parce qu'ils ont de l'argent, yeah. se donnent le profitent. Plaisir. Il faut que voilà. l'État contribue beaucoup. 80%, il faut que l'État garde les petites filles. Mm. Il faut que l'État sauvegarde les petites filles. Ah, c'est à cause de ça, d'accord. j'ose cette fois-ci de prononcer il n'a foulu moi les rats pour le sécana. Il n'a pas de rats pour le sécana. Il n'a pas de rats pour le sécana. Il m'a regardé pour le sécana. Il m'a tout de rebangri n'a des balamas. Il m'a regardé pour le sécana. Et moi, je suis en fou, n'a rien mis. Il n'a pas de rats rien mis. N'a pépé. Les pépinières. Les pépinières. Malheureux téléspectateurs, on suit cet autre clip de Djéné Kapouyaté. Juste après, nous allons revenir à notre artiste. Il est exceptionnel, Abraham Sonti. À tout à l'heure. Galimenge, famanye rera noira de gema, Babylon ou na Kanaja. Galimenge, famanye rera nou chevigera, Babylon ou na Kanaja. Galimenge, famanye rera noira de gema, Babylon ou na Kanaja. Kalimenge, famanye rera nou chevigera, Babylon be Kanaja. Brrps, brrps. On a ma lady man, on a ma manqué, on a ma raté. Concert le 3 novembre, Nairobi, dans Nasga Esplanade, ma palais. Rastafari, Ramarafanya, nous l'ordi, bébé soujira. Sin. Nous allons donc à présent regarder voilà. ce clip Galimenge, exclusivité dans cette émission Musique Tempo. Valeureux téléspectateurs. Black Mafia. Tantinebe Babadi, nous en glissé, n'yang, tantinebe Cho. Rastafari, Galimenge. Galimenge, tout à l'heure, vous aurez droit à votre séquence rétro, c'est une promesse. Mais avant, Abdoulaye Korofé a un petit message pour vous. Et c'est valable pour tous les couples. Regardez. Les artistes guinéens se sont mis ensemble autour de cette œuvre musicale, histoire de redonner de l'espoir à la population de Fria, cette ville industrielle autrefois appelée Petit Paris. Amadou Soudia, bonne arrivée. Je suis très heureux d'être avec toi sur ce plateau de Musique Tempo. Deuxième passage dans cette émission. C'est moi qui est content. D'accord. C'est plusieurs passages parce que la première fois, si je me rappelle bien. D'accord. Depuis 2012. Oui, c'était toi, pour parler de la sortie de toi, l'album Communiqué Chérie qui vient de passer. Voilà, et effectivement. Et d'accord. Deuxième fois avec Kadassou Bamba et okay. troisième fois aujourd'hui encore. D'accord. Je suis avec toi. Ah, mais il fallait que je t'invite dans cette émission. Exactement. Parce que Amadou Soudia n'arrêtait pas de m'appeler petit frère, mais tu m'as abandonné et tout ça depuis Paris. Hein, on était en contact, tu m'appelais pour me dire, parler de ton projet et tout ça. Exactement. Parce c'était important que je t'appelle quand même. Exactement, parce que qui dit l'artiste dit média. Qui d'accord. dit média qui... C'est-à-dire c'est les deux qui vont ensemble. D'accord. Et surtout, tu es un jeune qui a de talent, donc... Merci. C'est comme ça. Donc, tu viens de réaliser ton quatrième album. Alors, dites-nous, quel est le lien avec les trois autres? Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix de ce paradis.
Mais c'est quoi exactement le prix de ce paradis pour nous les Africains? La réponse, c'est avec Moussa Doumbia. Le prix du paradis, c'est l'unité et la stabilité pour les Africains. Oui. L'Afrique, c'est un continent où tout reste à faire. L'Afrique est l'un des continents les plus riches. Et l'Afrique, paradoxalement, les populations africaines sont l'une des populations les plus pauvres. Donc je pense qu'il y a un prix à payer, c'est la stabilité pour que les investisseurs viennent pour créer des entreprises, ce qui va amener la création des emplois pour les jeunes. Et puis surtout, mais on ne peut pas avoir de stabilité s'il n'y a pas d'unité. Donc pour moi, le prix du paradis, c'est l'unité et la stabilité. Un message court, mais très positif, surtout pour nous, les Africains. L'unité et la stabilité, vous l'avez compris, deux conditions sine qua non pour tout développement harmonieux et appétissant. C'était Kentia Fakoli qui vous le disait à l'instant. Il était l'invité de Sébastien Fouline dans Acoustique sur TV5 Monde. Music Tempo avec Tonton Ablo. Bonne arrivée encore une fois, si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Tout à l'heure, Abdel viendra dans une de ses nouvelles vidéos qu'il vient de réaliser. Et puis, l'on parlera justement de la beauté guinéenne à travers la voix de Fadjidi, Fiskila, Masta Ekse et Konkomalela, Miss Guinée Benelux, ça va s'appeler le morceau. Mais avant, on chauffe la partie avec ça. Mais avant, on va encore vous laisser avec des clips ou des morceaux qui, à cause de leur succès d'autrefois, sont encore remis pour vous ce soir, histoire de faire plaisir à toutes les nostalgiques qui nous regardent de façon religieuse sur Ganga TV. Et nous allons commencer par ça. Ça vous rappelle certainement assez de choses. Alors faites-vous plaisir. Au revoir et ciao.
Show!